Bienvenue sur motostation.com. Cette semaine, c'est opération commando, car nous essayons la nouvelle Norton Commando 961 SE, modèle 2011. C'est la Norton du renouveau de 2011, mais elle utilise toujours un bicylindre refroidi par air. C'est une belle prouesse de nos jours, hein, avec les normes anti-pollution. Et elle utilise un cadre en acier, une partie cycle qui utilise des composants de belle facture, comme les suspensions Ohlins. On retrouve des freins Brembo, des jantes en carbone sur ce modèle SE. Donc c'est une moto équipée avec du matériel très onéreux. Pour comprendre la philosophie de cette nouvelle moto, nous nous sommes rendus chez Legend et British Sauce à Sannois, qui sont des spécialistes de la restauration de motos anciennes. Et c'est Jean-Daniel qui va prendre donc le guidon de cette nouvelle Norton pour nous dire si elle conserve l'âme, la sensibilité des anciennes Norton. Allez, en route! Jean-Daniel, de retour après ce petit galop d'essai sur la Norton, est-ce qu'elle conserve un peu l'esprit des anciennes ? On va dire qu'elle conserve l'esprit. Ils l'ont bien ramené au goût du jour, mais l'esprit reste là. On a un moteur coupleux, très intéressant, une bonne partie cycle, vraiment légère, un bon freinage. Non, je pense qu'ils ont réussi, à mon avis, ils ont réussi leur coup. Mais ouais, on retrouve bien l'esprit du moteur et on enroule bien avec ça, c'est très bien. Elle est étonnante sur plusieurs aspects, sur sa légèreté, son agilité. Il y a aussi des petites failles comme la position du sélecteur qui est un réel handicap. Et si vous voulez en savoir plus sur cette magnifique nouvelle Norton, je vous invite à lire l'essai sur motostation.com.